Cette histoire est vraiment intéressante. Tu sais ce que ça me donne envie de faire? Lire le livre, peut-être? Non, manger du baklava. Et je trouve que le héros est super. Il est calme, toujours serein, un peu à l'image du village où il habite. On parle d'allégorie. Je vais le noter. Personnage principal, allégorie. C'est pas très grec comme nom. Sa famille a beaucoup voyagé. Et le livre raconte leur odyssée. Note-le, ça aussi. J'ai hâte de savoir quelle note tu obtiendras à ton devoir. Tu mets beaucoup de fruits là-dedans. Les spectateurs vont bientôt sortir. Je veux être sûre qu'il y en a assez pour tout le monde. Tu veux dire pour toute la galaxie? Tu mets beaucoup de sirop, non? Exact, parce que le lin délicieux doit être très sucré. Et contrairement à ce que certains pensent, il laisse un goût merveilleux dans la bouche. Toi, tu dois apprendre à lâcher prise. Où est passé le pop-corn? Qu'est-ce que tu fais? C'est une longue histoire, tu sais. Il y a un an à peine, j'étais une fille avec des rêves et des plants de myrtille bio qui poussaient sous son lit. Écoute, j'ignore ce que c'est que cet engin, mais... travaille ici, maintenant. Je viens de l'embaucher. Et vous, qui êtes-vous donc? Je suis le nouveau directeur adjoint, tout simplement. Vous devriez vous tenir au courant. Oui, désolé, monsieur. J'aime mieux ça, mais vous êtes sur une pente glissante. Très, très glissante, jeune homme. Max, on y va? Je vois que tu es sur ton 31. Eh bien, je pensais qu'on pourrait manger un morceau avant d'y aller. Oh, mais où sont tes talons hauts? Je ne les porte pas ce soir. Ça pose un problème? Non, pas du tout. Je n'y accorde aucune importance, tu penses bien. Seulement, je viens de réaliser que je ne peux pas sortir ce soir. J'ai un nouveau patron et il me demande de lire un tas de papiers. Il m'a laissé tomber à cause de mes chaussures? J'en sais rien, peut-être bien qu'il existe aussi un effet talon haut. Oh, faites-moi confiance, ça existe. Certaines personnes sont vraiment trop superficielles. Gareth, tu as une allure fantastique. Je t'offre un verre de lin délicieux. Oui, excellente idée. Mesdames et messieurs, vous allez être épatés. Préparez-vous à une explosion de saveurs. Un mixeur fait ce genre de bruit, tu crois? Fais quelque chose! J'appuie, mais ça ne donne rien! Tiens! C'est bon, je l'ai arrêté! Non, j'y arrive pas, Gareth! Trouve un moyen d'arrêter cette machine, Gareth! Waouh! J'aurais mieux fait de le boire, ça aurait fait moins mal! Mais débranche la prise! Oui, je vous ai dit que le lin délicieux pouvait être explosif. Je veux que tu me rendes mon costume immédiatement! Tu veux pas y réfléchir? Vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Allez chercher des serviettes en papier et nettoyez-moi tout ça, compris? Tout de suite! Je n'aime pas votre attitude, jeune homme. N'oubliez pas que je suis le directeur adjoint. J'appelle le gérant du cinéma. Je vais prendre les serviettes en papier. Là-haut, peut-être? Je vous l'avais dit! Du pop-corn frais! Alors, vous croyez que c'est du vrai beurre ou un arôme artificiel ?